Votre horoscope, c'est tous les matins sur Tendance Ouest. Tendance Ouest. Retrouvez l'horoscope de Camille à 6h25, 7h25 et 8h25. Bonjour à tous, on commence votre horoscope de ce vendredi 23 juillet par les béliers. Si vous devez de l'argent, rendez-le. Si on vous en doit, récupérez-le. C'est un jour parfait pour toutes les transactions financières. Du côté des taureaux, c'est une excellente journée pour vous faire positivement remarquer de façon à obtenir ce qui vous tient à cœur. Les gémeaux, vous risquez de vous montrer trop centré sur vos préoccupations. Décompresser sera indispensable. Cancer, si vous êtes destinataire d'un mail par erreur, restez discret, l'information peut certainement vous être utile, mais sachez en faire bon usage. Lion, pas de baisse de forme, ce jour vous serez même remonté comme une horloge, pas question donc de lâcher la bride. Vierge, si vous aviez quelque chose à demander, une faveur, une embauche, une augmentation ou une déclaration à faire, dépêchez-vous d'exprimer vos arguments. Balance, un changement au sein de la famille pourrait vous donner envie de modifier certaines choses à votre couple. Les scorpions, en cette journée, vous allez recevoir une confirmation officielle que vous n'espériez plus ou qui a été longue à arriver. Les sagittaires, amis sagittaires, une opportunité devrait vous permettre de progresser et vous ne pouvez pas la laisser passer. Capricorne, à force de tourner en rond, de vous poser des questions, d'avoir des doutes sur les personnes qui vous démontrent leurs sentiments, vous perdez du temps. Les Verseaux, votre intuition vous sera très utile aujourd'hui car elle ne vous trompera pas qu'il s'agisse d'argent ou de sentiments. Il est grand temps de mettre de l'ordre dans vos affaires. Et enfin les poissons, c'est le moment de boucler ce qui doit être bouclé et de vous lancer dans de nouveaux projets. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Consultez également votre horoscope à tout moment de la journée sur tendanceouest.com. Podcast by Tendance Ouest.